evening. Hello. How are you doing? Hey, man. Tonight. Tonight, she's gone. Hi. How are you doing? Hi. Congratulations. Hi. Congratulations. Here you go. You won the $2 million prize. Thank you. Hooray. Here you go. Hey, congratulations. Nice meeting you. You are the two winners, yes, right? You are the two winners. I know. Congratulations. And you also don't be when you come to France. This is your first time in France. This ain't your first time in France, right? You left her? You and her? You know what? Her mother is American. You're American? You live in the United States? I'm American, too. Did you see the movie Goonies? Yeah. Like hooray. Were you from France? Yes. Yes. Did you see the movie Goonies? Yes, in Spain. Oh, great. Okay, guys. Should we go now? We gotta go. Big over here or not so big? Do they have video games? Do they have video games now? Well, they have video games there, yes, but I haven't seen those sort of games. Oh, see, because this is from Japan. Yeah. It's Japan. Is video games very popular here? It starts 2 or 3 years ago, yes, to become very popular. Oh, really? But it's still quite expensive. Mm. Could you speak all three together? Yep. Yeah. Do you want to play that? Mm-hmm. See, fine, it's really neat. See this. When she said $50, I thought she meant to play it once. I thought you meant to buy better, much more simple things like. To buy a game? Yes. That's not that expensive. It's about $50 to buy about $6. 50, 60, 60. Oh, God. And how much do you think that would be in America? $10? No, that wouldn't do it. That needs about $33. For this? Right. No way. No, it is. No way. But you know what? In America, video games is much cheaper here now. Yeah, because they're pretty old. See, look, so your first shot's very easy. Just hit it and then you get it to it. Second shot, you have to get past the lake. That's not too hard. All you gotta put your first. And this one, you gotta do the sideways. That's hard. Oh, this one is so hard. You gotta hard. Cross the bridge. Four. 300. He takes his club. He swings it. He hits. And that's the end. And if you're getting close, you can like see the top of it. You can see the flag. You ever been to? En train de dire, mais j'ai pas pris l'adresse. Alors j'ai dû attendre l'autre mercredi pour savoir l'adresse. Ouais. J'ai un peu de chance. Are you with this jacket on? And see how does that look with this jacket on? Kiwi Kwan. Oh, there's a hat too. All right, see, that's Kiwi Kwan. Hey, Kiwi Kwan. And I live in Paris, see? And so you're the winner of the contest. Hi, Jeff. Nice to meet you. Have you seen Goonies before? You look so familiar. I do? Yes, you do. Hi, Ki. How are you doing? Nice to meet you. I loved you in the movie. You were great. Aren't you going to congratulate me on winning the contest? Yeah, great. Sometimes come on. But you said to charge it to your room. No, see? No, that was earlier. Okay, I go. I ain't got $1.50. Then you go. That's it. That's tough. What's tough? Life's tough. Okay. Okay. Now here's one. Why fire trucks are red? Oh, red, right. Okay. Fire trucks have eight wheels, and there are four men on a fire truck. Eight plus four is 12. There's 12 inches on the ruler. Then what is it? Queen Mary is the ruler. Queen Mary is a ruler. Queen Mary is a ship. The ship sailed the seas. In the seas are fish. Fish have fins. The fins fought the Russians. The Russians are red. So therefore, fire trucks are always red. Russian, so they're red. Get it? Okay. Let me see what else there. You remind me of okay, can you believe I can make you cry less than 3 seconds? But you know what? The first time they did it on me, I wouldn't even understand either. I said, boo-hoo. What, do you cry like that, boo-hoo? Mm-hmm. You make it sound like that? Do you? So who's big for singers over here? You go. I'll let who's you have back. Singers over. No, I'm not getting it. You didn't even shoot me. I know. It's okay, done. So
Bye. That's what they do, you know, they never die. They never, the good guys die. That's much. You miss me by this much. See, I'm alive. Or sword games. And you know, so nobody died at the end. That's so funny. Yeah. They don't want to die. Everybody's you know? Just running around. Hey, no fair, I'm not dead. And everybody was swords. And then you know what? And then you know what? If they really die, they say, Bon, alors dis-moi une fois, je vais tâcher de mettre au moins un peu de temps. But I usually go to Meadow Oaks when I'm not working. Where do you go? That's normal school when you're not working. It's just like that. Oui, faut pas qu'elle bosse derrière. On va les placer. Maintenant, on peut se reculer aussi si on veut. Voilà, et nous deux. On va la faire aller par là. Parce que Mademoiselle Victoria. They look like an old lady. If you, Jeff. Yes. Attends, on va l'arrêter un peu par là. Je vous ai parlé en gros plan. On commence serré sur elle. Hein. Je vous ai parlé hier, patati patata, les deux. Nos deux, les deux gagnants. Tu pivotes un peu sur ton machin. Tu peux faire ça, non c'est... Non, tu peux pas. Tu restes comme ça, tu te tournes, hein? Moi je peux tourner sans bouger le truc. When she turns her head, hein? Yes. You come, you here, here, hein? Here. Here, and you key in the middle. Like that. Hein? Like that. Then, tu appelles nos deux amis. Victoria va venir ici, et toi, Eugenio, tu vas venir là. Hein? C'est parfait. D'accord? Bon, tu viens là. Oh, ça fait belle photo de famille. C'est bon là. Quand tu vas parler. Oui. Des cadeaux. Hein? À la fin. Could you do something? Mais c'est Victoria peut le faire, peut le dire. Tu sais, Didier, il y a du pied dans la chaussée. Aller chercher les vélos. Comment ouais, ce que j'aimerais. Pour pouvoir descendre à travers, c'est les vélos. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut aller français d'un côté et d'un autre qui doit être obligé de remonter? Can you show it? Ok, it's not too heavy? Non, hein? Ok, can I show it to you? You do that? Là, c'est bon. Monte. T'es rentré. Limite. Oui, je vois ça. Ça soit devant. Tu vois la bicyclette derrière? Oui. Put the wheel on the chair. Ah oui, c'est bien. Pas l'utilité. We do no rehearsal. Je vais faire fermer la porte. Ok. Il y a la clé. Je dis à ma maman que je vais aller avec lui. When he goes, she will give you a cue. Or she will be. She will. Can you give the bike? Okay, I'll be there. Take the bike. So when you go, you go to. Toi, pendant que Jeff est ici, tu vas rejoindre. De façon à ce que vous emmeniez pas les ballons, tu vas rejoindre qui pour prendre la bicyclette. Et toi, Victoria, tu bouges pas. Et Jeff, you see, you take it like that. And you put it in front, like that. Yeah, that's your bike, honey. Voilà, et j'ai dit pour les baguettes, etc. Et maintenant, nous allons donc découvrir les réponses qu'il fallait donner, pas donner. Okay. Non, pas du tout. J'ai l'impression de faire la vieille grand-mère dans son fauteuil. Oui. Alors, mes enfants vont gagner. Who wants to put the bike in front of her? Okidok. Tu me fermes la porte? Oui, je. Tiens. Et toi?
Bon, tu les as dans le créneau avec les... Tout est bon, tout est bon. Alors, qui serait bien? Nous allons commencer sur Dorothée. Je commence sur Dorothée. Sur Dorothée. Et élargir. T'élargis quand elle va se tournicoter. Contest. D'accord. Elle va se tournicoter. Contest, ça te dit. Excuse-moi. Vas-y, chérie. Eh bien voilà, je vous l'avais promis hier soir dans C'est chouette. Aujourd'hui, le résultat... Attends une seconde, ça marche pas. De toute façon, ça marche pas, c'est ça qu'il faut couper aussi. Ah, ah oui, oui, oui. On ne peut pas. Moi, je vais pas le rien. Qui sait. J'ai coupé la téléphone, le téléphone, c'est j'ai des soucis. Deux. Et bien voilà, comme je vous disais hier soir dans C'est chouette, aujourd'hui le résultat du concours Les Goonies et nos quatre invités. Tout d'abord, Jeff, hello. Hello. Becky. Hi. Hello. Nice to meet you. Bonjour. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. So, they will try to speak French and I will try to speak English. Ils vont essayer de parler français et moi je vais essayer de parler américain. Ça commence bien. Alors... Jeff est un des personnages des Goonies. What's your je sais pas quoi en cours on commence. Shit. Pas. Tu sais pourtant très bien parti. Sam Tudor. Tu es prêt? Vas-y. Eh bien ça y est, comme je vous le disais hier soir dans C'est chouette, aujourd'hui les résultats du fameux concours Les Goonies et nos invités. Tout d'abord, deux des Goonies. Jeff. Hello Jeff. Hello. Hi. How are you? Merci beaucoup. Good. Et okay, qui? Nice to meet you. Merci nice to meet you too. Oh, merci beaucoup. Right. Très très bien. Last thank you, right? Okay. Yes, that's it. Dites-moi, c'est pas facile hein, le matin de parler anglais, je peux vous l'avouer. Il ne parle pas très bien français, ou pas très bien anglais, mais nous allons avoir une jeune demoiselle pour nous aider. Ce sont les... Une des gagnantes, Eva. Une gagnante. Victoria. Ça va? Alors toi, c'est super, tu parles anglais, tu vas pouvoir m'aider. Et Eugenio, deuxième gagnant. Tu te mets un petit peu à côté derrière? Ah oui, c'est mamie, qu'est-ce que tu veux? C'est un beau tableau de famille. Hein. Bon, Roxane, je t'en prie, prends ton temps. Alors vous avez gagné, vous avez découvert les réponses. Oui. Félicitations. Alors vous êtes déjà vu, ne vous inquiétez pas, ça fait un petit moment qu'on se voit quand même. Est-ce que tu peux demander à Jeff quel est le rôle qu'il a dans le film? What play do you have in the film? What's my part? Yeah. I play Chunk. Check. No, Chunk. C-H-U-N-K. Like a chunk of cheese. Chunk. Mm-hmm. And you are a funny boy. Yeah, I play like, I'm a klutz in the film. C'est-à-dire? I'm a klutz. Hein? C'est pas non plus. Mm-hmm. What did you say? I'm a klutz in the film. Klutz? I break things. Clowns? No, klutz. Bon, d'accord. Well, maybe c'est pas grave. Maybe they don't have the word. Il a le bon, c'est le bon personnage. No, and you eat all the time. Yes, eat all the time. I can see that. Uh-huh. Et c'est un gourmand. Il passe son temps à manger. Et sa gourmandise l'entraîne dans d'étranges aventures d'ailleurs. And qui? Mm-hmm. Ah, qui vous le connaissez? Si, vous avez vu Indiana Jones. Oui, eh bien c'est lui, en chair et en os devant. Je lui ai demandé un autographe tout à l'heure. Yeah. So, tu lui demandes la même chose? Is that the same thing? What play did you... See, in Goonies, I play the role of Data. Mm-hmm. Data. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? D-A-T-A. Oui. Data. That's the name of his character. Yep. Oui, c'est le personnage, quoi, Dater. And so, you are the clever one. See, Data is very smart in the movie. He invents all these gadget things. He's a technical genius. En fait, qui a le rôle de Data? Data. Data. Ça y est. Data. Prends un accent, quand même, j'ai. Et Data est un personnage qui invente plein de trucs, il a plein de gadgets et grâce à lui donc tout se passe bien. Sous l'imperméable, il découvre des choses, enfin je ne vais pas vous raconter le film, hein. Le but c'est quand même que vous allez voir. Eugenio, tu ne parles pas beaucoup et pour cause, je ne t'adresse pas la parole. Quel effet ça te fait de rencontrer des acteurs américains qui ont ton âge à peu près? J'aime bien ça parce que le film m'a beaucoup plu, mm-hmm. Puis ça m'a fait plaisir de rencontrer des acteurs que j'ai vus dans le film. Et je sais pas, t'as pas été un peu émue, touchée? Si, mais je pensais pas que j'allais gagner. C'est vrai? Oui. On pense jamais. C'est la première fois que vous jouez tous les deux? Mm. Ah, alors vous allez rejouer maintenant? Bah oui. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Ingrid 2, merci la Warner. So, there is a question.
You are working on movie. You are making movies. But what about school? I said it in French. Quand on fait des films et quand on a leur âge, c'est-à-dire... What's your age? How old are you? 11. 11 ans et 14 ans. I'm 14. I just turned 14. Il est juste arrivé à 14 ans. Et comment fait-on quand on fait des films pour suivre la scolarité? See, we have a tutor, a teacher on the set. So if we don't have to work, so we have to have school. D'accord. C'est bon. Il y a un professeur qui vient avec eux sur le plateau, ce qui fait qu'ils font les deux en même temps. And that's a lot. And we have to do like 3 hours of school a day. And he like travels with us wherever we go, our teacher. And whenever we're not working, we have to do school while the other grown-up actors rest. We only have one actor who's over 18 years old. So she has turned 18. In college. Et là, qui est plus âgé, qui a 18 ans, d'accord. Donc c'est-à-dire que sur le plateau, vous avez obligatoirement 3 heures d'école, c'est ça, hein? Je dis pas de bêtises, je traduis bien. Surveillez-moi, hein, parce que sinon les bêtises, je me dis beaucoup. Eh bien, c'est bien, donc c'est un métier. You want to be an actor? I want to be an actor when I grow up, but it's a really unstable business, so I want to go to college and get a doctorate degree so I can be a dentist, if acting falls out of me. Donc il veut bien, Jeff veut bien continuer à faire du cinéma, mais veut aussi suivre sa scolarité et être peut-être dentiste. Good. And you? Okay. See, when I grow up for the future, see, first of all, I want to go to college and have a college degree. And after that, I would like to be an actor, a director, and a producer. I like acting and... Okay. You do it. Very good. Merci beaucoup. Somebody asked me what kind of actor I want to be, and I said rich. D'accord. Alors là, je vais vous traduire. Donc, Jeff veut continuer ses études et être dentiste. Qui veut continuer ses études également et devenir acteur, enfin devenir, il l'est déjà, mais être aussi metteur en scène, producteur. Et Jeff m'a répondu après, on m'a demandé le style d'acteur que je voulais être, il a dit riche. Good, very good. C'est pas tout ça, mais vous avez des cadeaux vous, hein. Ok, can you give the bicycle to... The price. Right. No, yeah. Vous allez recevoir vos prix. Il y a aussi des maquettes que vous allez recevoir tout à l'heure. And this is for you from the Congratulations. Est-ce que tu es contente? Tu dis pas grand chose, je parle tout le temps, faut dire. Oui. Bon, tu conseilles peut-être à vos amis d'aller voir le film. Tu as aimé? Donc tout le monde va aimer. Moi j'ai le droit d'aller le voir? Oui. D'accord. Et bien voilà, et maintenant, vous attendez quelque chose également. Les réponses. Si vous n'avez pas joué, c'est pas grave. Si vous avez joué, sachez pourquoi vous n'avez pas dû. Regarde. Thanks, boys. Tiens-vous pas votre, très bien. Tu vas faire une photo. Vous pouvez avancer les jeunes là-bas. Vous pouvez sinon laisser ça comme ça. Vous laissez le vélo là, Dorothée. Voilà. I don't have to ask you something because I don't have to answer. But I get to, I get to learn some kicks on Indiana Jones. Oh yes, did you? Yeah. Like something like a swing and back kick, like something like this. I'm doing good. How are you? What? You like Paris? Yes, I like Paris. You like Paris? And Perrier with a twist. Perrier with a twist. Ah bon? Tout à l'heure. Je prends la commande. Ok, banana split. Il voudrait un banana split. Oui, attendez. I guess so. Are you going to get something else? I got a green salad. They don't have it? No. You want to mix on the mix? Yeah, can I order a merci beaucoup? No, merci beaucoup. Is there bread? Does bread come with that? Bread, pan. Thank you. Bread. See, right out they work, see, and then you eat them, see? Right. Oh, bread. Yeah, all starch, that's good. No clothes on. Just call me by my right name. Make sure you spell it right. Bob, yeah, thank Steve. You very much.
Une glace mélangée. Autrement, j'ai une glace, un semi-frais d'eau. C'est une crème glacée avec une sauce au chocolat chaud dessus. Non, ça, il ne veut pas, je demande. Non. Alors, j'ai la cassata. C'est une bombe glacée avec des fruits confits dedans, différents parfums coupés en tranches. Ça, c'est la cassata. Merci beaucoup. Oui, très bien. Parfait. You understood what he said? Je sais, merci beaucoup. He said he's no good, right? I said, merci beaucoup. He read all that stuff. Oui, c'est une bombe glacée coupée en tranches. C'est comme tranche avec différents parfums et des fruits confits dedans. Ice cream. The ice cream with food inside. $10,000. They're expensive. Any way to get out of a shop is very expensive. Yeah. Mm-hmm. That's good. Do you want some? Here. Excellent candy. Hello. How for you? Steve. George. Okay, yeah. George. Look around. Good. What do you find surprising in this city? People. What? People walking down the street. That's very exciting. We don't have that in Los Angeles. No, I don't want that much. $5. I don't want that much. Well, I just ate so much. Ethiopia would die for it. But if I ate this, I want 7-Up again. That's true. We don't want. Can I give you a present since you're so nice to me? What kind of present you mean? No, a very nice present. No. Yes, you do. Let me have your hand, please. Give me $5. No chocolate. Give me chocolate just two. It's frozen. In America, it's cooked. Napkins? I mean, and so what I did is, I put some mustard on it because we have, spicy mustard. I just, took a whole spoonful like an idiot, and then I ate it, and we already drank all the water. And I was drinking out of the sink. It was so hot. I thought it was like garden room. Oh, do you like French food? Huh? What's French food? Very good, very nice. French fries are my favorite. You know, we ordered the room service this morning. One. Because we were so starving. You know, we were starving because we just ate a little bit in the airplane. And then, like, at 9 o'clock, we ordered some room service, like spaghetti, crab sandwich, and chicken. It is so good. Love it, nice. But, I hate flying. Now I'm used to it. I just hate when we're going up and coming down. In the middle, it's okay. Oh, yeah? Going up and going down, I hate it. It's like going up the roller coaster and coming down.